Ils arrivent de si loin, de si loin. Ils s'en vont plus loin encore. Ils se hâtent sans même nous voir au passage. Infini dans l'infini, infini dans l'infini. Tout en étant là, j'écoute dans mon chant la lumière qui chante la plus belle chanson qu'on ait jamais chantée. Pour ce chant qui m'enchante et lui-même s'enchante de s'entendre chanter en étant enchanté, je respire la rose en ce chant et la rose. Plus rose d'être rose en ce cercle enchanté, s'enchante d'être un chant parmi de simples chants, choses enchantées d'être ensemble, un chant de liberté. Ce matin du 8 avril 1973, à 11h45, Pablo Picasso a pris forme immobile. Le plus grand feu est froid. Plumée de noir, une colombe vole. L'air trace un arc tombal, l'azur pèse, soudain vieillit la lumière. Midi sonne faux, les dieux s'embrument de silence. L'oracle s'interroge. Ariane perd le fil là où le peintre l'avait laissé. Un taureau roi aurait-il emporté son corps ou ce regret l'avait ici? La pensée se grave. Rien ou personne n'est éternel. Mais déjà l'outil intente un procès à la mort. À Saint-Paul-de-Vence, le 4 août, un poème que je dédie pour mes amis Jean-Louis et Nadine Trintignant, en mémoire de leur mari. Comment t'oublier, Marie? Comment t'oublier? Tu avais un sourire dont la gentillesse nous éclairait jusqu'à l'âme, et ta voix était comme un songe éveillé. La tragédie de ta mort me poursuivra longtemps, longtemps, jusqu'au fond d'un horizon
où tu souris à l'aurore. Comme dans un cri éperdu. D'amour et de poésie. Comment t'oublier, Marie? Oui, comment t'oublier? Toi qui es devenue notre chérie. Oui, notre chérie. Et ce soir, chacun de nous choisira une étoile pour te l'offrir. Parfois, je me lève la nuit. Parfois, je me lève la nuit. Pour l'énigme de la lune. Pour le dernier écho du chemin. Pour les murmures du feuillage. Pour les petits pas qui courent dans l'herbe. Pour les amants qui se cherchent dans l'ombre. Pour la chouette et le rossignol, pour l'invisible et le clair regard, pour l'étoile qui n'est pas née et pour celle déjà morte. Parfois je marche dans la nuit, pour l'aboi du chien somnambule, pour l'enfant derrière la vitre, pour les flammes et le froid de la terre. Pour l'homme qui peine et qui veille, pour ton visage au fond du rêve, pour ton doigt qui nous fait silence, pour l'espoir levant de demain, pour mes serments et pour l'adieu, et pour l'aurore qui t'efface. Thank you.
il y a plein d'usages. Tu la sens abîmée, tu peux essayer de faire des mises en scène. Oui. Qui permettent de te faire des clichés, des machins, d'avoir c'est après des... inépuisable. Voilà. Quasiment inépuisable. C'est très joli une plume comme ça. Là. Des points. Ouais. Oui, oui. Oui, aux angles, très ouais. Important. Ah oui, parce qu'en fait, si tu veux, ça n'enlève rien à la structure, au contraire. Voilà, il faut que la structure reste oui. Très pure, c'est ouais. À mon avis. C'est pour cela qu'ils m'ont expliqué, c'est pour cela qu'ils ont tous là un parti ouvert, là c'est un parti oui, presque fermé, là c'est un parti. Ah oui. Il les a vraiment mis à. C'est ça qui est un peu plat. Bien d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Quand même, on y voit un peu, genre comme ça. Hein? La caméra, elle ne détecte plus, là, c'est fini. Mais non, avec le jeu, on y voit. Quand même, un peu. Ah oui, mais t'as la lampe. Il faut rester optimiste. Tu vois la caméra. Oui, oui, oui. Oui, c'est ce que tu m'amènes avec la lampe. Oui, ça fait un drôle. Oui, si tu n'éclaires pas, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, alors. Oh oui, ne l'éclaire pas, c'est assez étonnant, ça on s'en va tout doucement. Oui. Elle meurt de disparaître. Oui. Alors que le sommeil nous a. On vient d'avoir un matin. Hein. C'est peut-être une autre lumière. Hein. Ah, ça c'est sûr. Hein. Non. Thank you.
C'est toi? Je lui dis oui, c'est moi, c'était moi. Avec des bigoudis, tu sais, elle a fait un truc super. Super. Ouais, ça a l'air assez intéressant, oui, c'est évident. Et là, bon, c'est plutôt un travail proche de la structure, quoi, de l'installation, oui. Tony Cabral. J'ai pas suivi l'affaire. Non, mais c'est pas grave. Vas-y. Ça, c'est pour Marie-Thérèse Lacasse qui a gagné. Il est beau celui-là. Hein, hein? Je veux venir. Ah, bah bien sûr. Mais c'est, des... c'est parce qu'on était des. Attention. Marie-Laure. Oh, okay, écoute. Oui, c'est intéressant.